Sound. Okay, sound. Hana, Hana, haya. Déclaration politique numéro 048/2022. Nous, leaders politiques et personnalités politiques de l'Union sacrée de la nation au Nord Kivu, réunis en urgence ce mercredi 16 novembre 2022, suite à la situation sécuritaire qui prévaut actuellement dans le territoire de Rutshuru et de Nyiragongo. Étant donné que la République démocratique du Congo est membre des Nations Unies, étant donné que tous les États jouissent de même droit devant les Nations Unies, vu que la République démocratique du Congo est signataire de chartes qui régissent les Nations Unies et l'Union africaine, vu que la République démocratique du Congo est un pays souverain indépendant qui a hérité ses frontières depuis la Conférence internationale de Berlin, la coordination provinciale de l'Union sacrée au Nord Kivu dénonce avec la toute dernière énergie la discrimination et l'impartialité avec lequel les Nations Unies traitent la situation excessivement grave qui se passe en République démocratique du Congo sous leurs yeux, sans se soucier ni de la population victime de cette barbarie des terroristes du M23, ni de l'intégrité de frontières de cette dernière. Nous déplorons en outre la complicité des Nations Unies qui n'ont plus besoin de se cacher comme si l'agression était devenue une valeur à protéger. Comment peut-on prêcher une chose et son contraire? Nous fustigeons par ailleurs l'attitude des Nations Unies qui, au lieu d'encourager un État qui à tout prix cherche à protéger ses frontières, s'illustre par contre par une maladresse éhontée et grotesque d'empêcher un État souverain à jouir même de ce droit en lui imposant des embargos sur les achats des armes et en lui obligeant de déclarer ses armes achetées pour se défendre. Nous constatons que les Nations Unies sont non seulement les complices de nos agresseurs, mais par contre les vrais acteurs de la déstabilisation de notre pays, la République démocratique du Congo, dont le seul objectif de le maintenir éternellement dans une position de faiblesse pour faire le lit au pillage de nos ressources du sol et du sous-sol, si pas favoriser la balkanisation de ce dernier pour rendre possible facile le pillage de nos ressources. De ce fait, l'Union sacrée de la nation au Nord qui vous demande 1. Au président de la République à veiller sans relâche ni crainte à l'intégrité du territoire de notre pays, à consentir les sacrifices suprêmes en ne cédant pas aux intimidations de tous ces impérialistes, à demeurer ferme et intraitable quant à l'avenir de notre pays pour dire d'être sur le trace de Marie-Patrice Lumumba, Laurent Désiré Kabila, Étienne Tshisekedi wa Mulumba, paix à leurs âmes, etc. Aux forces armées de la République démocratique du Congo, à rester très vigilantes pour que même un seul millimètre de notre terre ne soit cédé à l'ennemi. À tenir bon sur le champ des batailles car l'avenir de tout un peuple repose sur leurs épaules. À s'occuper de tous les traîtres sans exception, car l'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que celui de l'extérieur. À l'Église, à jouer pleinement son rôle, qui est celui d'intercéder pour le pays, comme le recommande la Bible. Priez pour le pays où vous êtes, car votre bonheur en dépend. Jérémie 29, verset 7. Le bonheur de tous les Congolais dépend de la stabilité de notre pays. Aux médias, à informer à temps utile la population de l'évolution de la situation sur terrain pour éviter que cette dernière ne soit victime des intoxications de tout genre, susceptibles à semer le doute et la panique. À créer des espaces médiatiques
pour renforcer le moral de la population. À la population, 5, à demeurer vigilante en dénonçant tout cas suspect, à se ranger derrière l'appel du chef de l'État en s'enrôlant massivement dans l'armée loyaliste pour ceux-là qui sont en âge de combattre et en se constituant en groupe de vigilance. À ne pas céder aux fake news qui visent à décourager et à semer la confusion dans le chef du Congolais. À se tenir prêt à toute éventualité, car personne ne peut mourir pour ton pays à ta place. À avoir confiance à nos forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont la seule et unique force que nous avons pour défendre notre patrie. Sur ce, le parti politique et personnalité politique membre de l'Union sacrée de la Nation Nord-Kivu compte organiser des activités de grande envergure pour dire aux Nations Unies: nous sommes fatigués de tes coups. Tunachoka na mchezo wako wa kutuuzisha. Tolembi na masano na yo ya batretre. We are tired of your low blows. Faites à Goma le 16 novembre 2022. Nous vous en remercions. Fun. Sisi kama vile vyama ambavyo vinamuunga Raisi Félix Tshisekedi Mukono, Union Sacrée de la Nation kwa jimbo letu la Kivu la Kaskazini, tumeungana hapa kwa ajili ya kusema Nations Unies, unakuwa mulozi mwenye unanza toka mchana, mulozi analogaka usiku. Sasa biyako habina tena ako haya. Tumekuya kuambia, tunakuchoka. Ni jambo la uzuni kuona ba mambre ya Nations Unies banaweza sema ya kwamba M23 anakuwa na vifaa makali kabisa, na wao hawayakuwa tayari wa kusema wanaweza wakapambane na hivyo vikosi vya wateroriste ya M23. Tunajiuliza ile maarme imetoka wapi? Haba kondane ni jambo lenye linasikilikana, hakuna problem. Si ye pays souverain, République démocratique du Congo, wakati tunasema tuuze maarme, kusema tudefendre inchi yetu, tunasikia bimakartasi, tunasikia se ifo kudeklare, tunasikia huku na huku. Alafu Nations Unies, hamwezi kuwa munasikia haya, mulozi analoga kabusiku. Nye munanza loga mchana, tunabachoka. Wakati tunasimama hapa, kama vile vyama ambavyo vinamunga Raisi Mukono Union Sacrée, hii ni deklarasyo ya mise en garde, kwa sababu tunasema tunabachoka. Itabidi kisha hii deklarasyo, tutaungana na kuangalia maaksyo zenye tutafanya, kwa sababu haiwezekani. Hata kama munachukia kabatu, eske République démocratique du Congo haiko pays souverain, haiko pays indépendant, haiko membre wa Nations Unies? Jua nini vile? Sasa mnafika kule kumiemiko mnapitikana Ukraine, mnakondane risi yenye kona agrese. Mesia bana tu agrese na kusema tukamate maarme, mnaanza mambargo, mnatufunga mikono. Mnatutakia nini? Kama mnawaza mutagabula hii nchi, haitawezekana. Mutamaliza mpaka Kongole wa mwisho. Tunakatala na tunakatala. Nye Nations Unies, ole mkuwe katikati ya kusema daeri mude, amu natabezo kwa katikati. Mnapashwa defendre peyi yenye iko rekoni, suverenema etabli République démocratique du Congo iko agrese. Me par contre, hamusikia ta haya. Muko munenda kuunga mkono ma group teroriste yenye kona tuagrese. Sie tunakatala. Na tunasema kusema mugabule hii inchi. Kwa sababu njama yenu ni nini? Ni kusema tubakiake a genu kila siku, tukue feble kila siku, purke mkwa muna pie ma resurse ya inchi yetu. Me, ma resurse zinayala huku na kule. Hii tunjo inchi yenye munaona, sisi tunakatala, na tunasema Nations Unies, kwa naloga usiku. Saa inyo naanza loga mchana, ni kusema nguvu yako inaisha, na ulaaniwe, na tunasema ya kwamba populasyo haitaitika na haitaitika. Merci beaucoup. Buza na problemi. Tozali na motema ya kobukana, tozali na regret makasi.
Comment on a été mboka na biso République démocratique du Congo, mboka oyo eza souverain. Tant que lobby que est défendre l'intégrité à mboka na e, Nations Unies a telemi, Nations Unies a bandi, ba biloko na ya pambara pambara koloba ke ba arme na biso ekoki koyate. Bazaya liboso koloba eti ba M23 bazali na ba arme ya makasi, ba condamné te. On dirait ça eloko moko oyo eza normal. Tozali komi tuna Nations Unies ndoki aloka kana butu. Mais yo Nations Unies okomo loka na moi. Ozo luka nini? Nyoso wana bali nyikaka ba maintenir biso na position moko ya faiblesse ni kolonyoso po ba piller ba ressources ya mboka na biso. Tozali koyebisa bango boye. Nations Unies lokolo komo loka na moi. Elinyolo ba ete nguya esili. Mboka oyo esili ko pambwa mana nzambe. Boko divize yango soko mokete. So ebo lingi bo divize yango. Eko senga kongole asuka ebembe na ela la wana. Toko kiko komprendre te Nations Unies. Kalobando sala makamu na molili. Melelo komo sala yango ya vis-à-vis boye. Elinyolo ba ete peple kongole. Na lingi bo ye ba bo komprendre ke bo komi na makasi. Bo komi na nguya. So ebo moni Nations Unies akomo bima polele. Elinyi kolo ba ete. Antuka bo telemi. Bo kontinu ko telema. Sima ya FRDC bo continue ko telema sima ya mokonzi na biso tozali koloba na mokonzi na biso tikala na position na yo wana ozali mokonzi ya mboka landa ba trace ya ba Laurent Désiré Kabila ya ba Emery Patrice Lumumba ya papa na yo Etienne Tshisekedi fosa la fierté na ye boya 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 soki pe ekosenga bomo na yo ekende ekende pona mabele ya mboka na yo tokondi mate sacrifice ebongi euta likolo tina kongolo ya suka tolobi M23 makambu na yo nyoso za kosala ekolekate mabele oyo esila kopesa melabiso tozali koloba na ba eklesia batuna nzambe bozali pe na musala kosala boyebi na bible balobi tango ba tu akala ba peuple juif ba bande ko bunda ba Moïse bando cha maboko likolo ba tu bazo bunda kuna elonge bando monane likolo ba ete ba tuna nzambe boza pe na musala bo sambe la peuple na mboka na bino bino ba tu ya media bozali pe na musala bo cha ba spot ba espace pona ko remonter morale ya population biso nyoso ba peuple bo kenda sima ya ndingisa ya mokonzi ya koloba ete ba jeune o nyoso bazana makasi ya ko sarole ya kokota na armée ya kobunda ba kota na armée ba sarole to se constituer en force de vigilance elingi koloba sacrifice e bongeza na biso nyoso mutu moko te akoki ko sopa makila pona mboka na yo yo kongole soko vandi mutu msusu asopi makila na yo okotika l'esclave. Na président Kalaya Kenya Zaki awa lobby aleki nagoma lobby que il fallait cesser le feu ezala pour babandwa kosola pour na likamboya est réaction ya binu ani oyebi Mouzé Laurent Désiré Kabila je nazali ko se rappeler mokolo mso azo utangola akiti na aéroport international Anjili batandre un micro à lobby na lopoto boy il ne faut jamais s'attendre sur des rencontres fortuites il faut vous prendre en charge elngi koloba to tchaka misu na biso na libanda to tchaka misu na biso na ba rencontre ezali ko sale makoto pe kote kuna sengeli congolais nanu abundela mboka na ye kenyata aya asala ba masano na ye azonga na ye me yo congolais tellement ngui pona mboka na yo biso misu na biso ze pa ba kenyata te akoyela biso nini baya awa bakenda soki congolais otelemi pona mabele na yo mutu moko koki ko sopa mabele pona mboka na yo te soki yo morote sino ko comme esclave kenyata akoyela biso nini ayeko sa ba tourisme na ye zoginae bangonde ali boso ko bisa biso to negosi ko negosi za ngo mabete to ko negosier me li boso nanu to punja banguna kote kuna nous avons dans nos attributions les relations civilo-militaires. Les relations civilo-militaires, c'est que nous donnons la latitude d'entrer en contact avec les responsables politico-administratifs et ainsi que la société civile, dans le cadre de l'amélioration des relations entre tous les militaires et les civils. C'est ça vraiment l'une de nos missions.
améliorer les relations entre les civils et les militaires. À part ça, nous nous occupons aussi de l'éducation civique et patriotique de tous les militaires de l'armée. Éducation civique, leur montrer comment se comporter dans la société en tant que militaire et tenant compte du règlement militaire. Voilà un peu ça. Éduquer les militaires sur le plan civique, leur impliquer aussi, n'est-ce pas, l'essence patriotique, mettre en eux le sentiment d'amour de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. Ça aussi, c'est notre mission. Alors, cette éducation civique et patriotique, nous les faisons, nous les éduquons à travers des sensibilisations à la parade. Nous avons la parade deux fois par semaine, chaque lundi, chaque vendredi. Il y a des causeries morales. Nous organisons aussi des séminaires, des colloques, des conférences, tout ça, pour essayer d'aiguiser l'essence patriotique des militaires et faire un effort pour qu'il y ait changement de comportement dans les chefs de tous les militaires. C'est ça, c'est un peu ça. Les CECAS s'occupent aussi du bien-être des militaires, c'est-à-dire l'air social. Les CECAS qui s'en occupent, le bien-être de leurs dépendants, c'est-à-dire les membres de leur famille, leur épouse ainsi que les enfants. Donc le social des militaires en général, c'est le CECAS qui est chargé de ça au niveau de l'armée. Alors, cela, quand nous intervenons sur le plan social, nous appelons ça action sociale. C'est pour cela que le CECAS s'appelle Service d'éducation civique, patriotique et d'action sociale. Bon, les actions sociales, on les trouve à travers le foyer, par exemple, le foyer social, dans le cadre de l'autonomisation de la femme, c'est-à-dire des épouses des militaires. Et on les trouve aussi les actions sociales lors des décès des militaires. C'est le CECAS qui fait un effort pour que les militaires soient enterrés d'une façon honorable, qu'ils meurent sur les champs d'honneur, c'est-à-dire au front, ou des suites d'une maladie. C'est le CECAS qui est sollicité dans ces cas-là pour intervenir. Voilà un peu la mission du CECAS en général. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, comme nous avons été contactés par certains de nos frères qui sont ici, nos compatriotes, pour que nous puissions essayer de réfléchir et comment nous pouvons faire dans le cadre des relations civilo-militaires pour sensibiliser les jeunes afin de se faire enrôler dans l'armée compte tenu de la situation que traverse notre pays, surtout ici à l'est de la RDC. Ça nous a beaucoup interpellés. Et même mon titulaire, puisque moi je suis le directeur régional adjoint du service d'éducation civique et patriotique. Alors mon titulaire qui a empêché, en tout cas il m'a demandé de vous rencontrer. Et il est très content de cette idée-là. Et voilà pourquoi nous sommes là, pour essayer de réfléchir, pour voir ce que nous pourrions faire dans le cadre des relations civilo-militaires, avec votre concours, pour que nous arrivions, n'est-ce pas, à sensibiliser la jeunesse de notre pays, selon le vœu du commandant suprême,
des forces armées de la République démocratique du Congo, les chefs de l'État. Comment faire pour sensibiliser les jeunes du Nord Kivu, en particulier de la partie Est, hein, en général, pour qu'ils puissent, n'est-ce pas, avoir cet amour patriotique qui pourrait leur donner le courage d'embrasser les métiers d'armes que nous avions embrassés avant eux, afin de défendre notre pays, défendre les frontières nationales, afin que l'ennemi soit botté hors de notre patrie. Voilà un peu pourquoi nous trouvons ici. Et aussi, pour que nous puissions voir comment nous pourrions aussi contribuer à l'organisation de ce que le commandant suprême a parlé quand il a dit que il a demandé à ce que les gens, n'est-ce pas, puissent faire des groupes de vigilance, ce que nous pouvons appeler groupe de vigilance et populaire, par exemple. Hein? Comment organiser ces groupes de vigilance au niveau de la province du Nord Kivu afin d'empêcher l'ennemi d'entrer dans la ville de Goma. Avec une bonne organisation, dans le cadre des relations civilo-militaires, toujours comme je suis en train de le dire, parce que c'est dans ce cadre-là que nous nous rencontrons, nous pouvons faire comme ce qui s'était passé ailleurs. Vous connaissez, par exemple, au Vietnam, vous connaissez l'histoire de Ho Chi Minh, parmi vous, il y a des gens, comment est-ce que les Vietnamiens étaient arrivés à défendre leur patrie. Ils ont défendu alors qu'ils n'avaient pas des armes sophistiquées, vous connaissez, non? Oui. Contre les impérialistes de tous bords. Les impérialistes, les occidentaux qui voulaient tout faire pour s'accaparer du Vietnam. Est-ce qu'ils avaient réussi? Ils avaient réussi. Ils n'avaient pas réussi. C'était suite à l'organisation et la détermination de la population. Alors nous saluons beaucoup votre présence ici. Dans le cadre des relations civilo-militaires, nous nous réjouissons de votre présence pour que nous puissions quand même arriver à nous concentrer positivement dans l'intérêt supérieur de notre pays. Voilà, je vous ai dit que le CECAS a une direction régionale au Nord Kivu. Moi, je suis l'adjoint de la direction régionale. Mon titulaire, il est empêché, comme je viens de vous le dire. Le CECAS supervise les activités de trois garnisons de CECAS. Il y a une garnison qui est ici, se trouve à Goma, ici, qui s'occupe de la sensibilisation des militaires et qui se trouve dans la garnison de Goma et aux alentours. Il y a aussi une garnison de CECAS qui se trouve à Beni, qui s'occupe de la sensibilisation et l'éducation civique et patriotique des militaires qui se trouvent à Beni et dans les environs. Il y a aussi une autre garnison du CECAS qui se trouve à Walikal, qui a la même mission que les deux autres que je viens de citer, ici présents. Alors, ici, nous avons le lieutenant-colonel Angui Valentin. Il est le directeur des garnisons adjoint du CECAS de la garnison de Goma. Il est là. Alors, il y a l'autre qui est le directeur des garnisons qui est à Beni, l'autre à Walikal. Mais c'est la direction régionale qui supervise les activités de ces trois garnisons. Voilà un peu une
guise d'introduction, hein, et je viens de prendre la parole pour vous souhaiter les bienvenus parmi nous. Et je passe la parole au code. Merci beaucoup, mon colonel. Nous sommes plus que contents de voir votre...